manchette aujourd'hui, Alexandre Dacosta fait vibrer l'église de Berthier. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 11 octobre, Alain Bellumeur au pupitre. Et si Berthier m'était compté, quel bel événement des centaines de personnes ont pu vivre ce week-end. Bien que les dernières notes aient terminé de résonner à l'église de Sainte-Geneviève de Berthier et que les nuages de poudre des mousquets se soient estompés au Centre d'action bénévole d'Autré, on est encore secoué par la qualité du spectacle qui s'est déroulé dimanche dernier dans le cadre du 350e anniversaire de Berthierville. On savait sur papier qu'on avait une programmation hors d'haleine, comme on dit, selon les gens du cabas, mais de l'entendre en vrai, de ressentir la puissance des instruments à cordes qui, sans amplification artificielle, donc emplissaient l'espace et les cœurs de l'église, et ce, malgré une salle presque comble avec plus de 600 personnes, les gens du cabas le disent, tout ça nous a soufflé. Donc, le cabaret remercie l'incroyable Alexandre Dacosta ainsi que ses sublimes musiciennes. Il y avait aussi, en compagnie d'Alexandre Dacosta et son célèbre Stradivarius, Solange Bouchard, Elisa Boudreau, Ariane Bresse et Thérèse Ryan. Leur musique résonnera longtemps dans les cœurs et les oreilles des gens qui ont eu le privilège de vous entendre. Un merci du cabas s'adresse aussi à l'abbé Claude Sauvageau, aux trois seigneurs de Berthier et aux membres de la compagnie du 2e bataillon du régiment de Lassard qui ont permis aux gens présents de voyager à travers l'histoire de Berthierville et de ses plus importants personnages. Si ce souvenir est un devoir collectif, grâce à cet événement, on pourra compter un A+ dans nos cahiers. Un merci s'adresse aussi aux bénévoles impliqués pour l'occasion, en particulier à M. Paul Boudreau, à qui la CABA doit, et les gens qui étaient présents doivent, l'initiative de cet événement. Un grand merci de la CABA également aux partenaires de l'activité, la Ville de Berthierville, Desjardins, la microbrasserie Locomotive, Jean Coutu-Berthierville et le festival Stradivaria. CTRB, notre télévision communautaire, était bien sûr des nôtres pour capter l'événement. On va vous en présenter dans quelques instants un extrait, mais vous aurez la chance de voir ou de revoir ce concert prochainement. On vous en reparle. Restez donc à l'affût. Sur ce, on écoute quelques minutes de ce spectacle extraordinaire. Thank you.
Alexandre d'Acosta qui, il n'y a pas si longtemps, a joué devant la reine d'Angleterre, qui est maintenant décédée, et qui était dimanche à l'église Sainte-Geneviève de Berthier. On circule sur le pont de la rivière Bayonne. Bonne nouvelle! En effet, depuis le 7 octobre, le pont enjambant la rivière Bayonne à Berthierville est réouvert à la circulation. Les travaux de reconstruction du pont rue Montcalm sont terminés depuis quelques jours et les véhicules peuvent à nouveau l'emprunter. Rappelons que les travaux de reconstruction de ce pont ont débuté en novembre 2021. Ils ont repris au printemps 2022 après une pause hivernale. À Berthierville, les élus municipaux ont appris par le biais de CDRB la réouverture du pont. Il n'y a pas si longtemps, les élus de la MRC d'Autré ont justement souligné un certain manque de communication entre les municipalités de la MRC et le ministère des Transports du Québec. En voilà peut-être un autre exemple. Mais pour le maire Dominique Perrault, voilà un dossier réglé. Reste maintenant l'autre pont, celui surplombant la rivière La Chaloupe, à l'extrémité ouest de Berthierville. Le maire Perrault confirme qu'à ce sujet, il ne lâchera pas le morceau. Donc, un deuxième pont, un deuxième dossier à suivre pour finaliser la réouverture des deux ponts à Berthierville, un à chaque extrémité. On parle déjà de Noël, bien oui, ça approche. Les membres du Comité de développement communautaire et culturel de l'Île-du-Port sont heureux d'annoncer le grand retour du marché de Noël de l'endroit. Les membres du comité vous invitent à réserver votre samedi 19 novembre à cet effet. Le marché de Noël aura lieu à l'église de l'Île-du-Port. Les responsables invitent aussi les artisans locaux et régionaux à réserver leur emplacement. Pour les inscriptions, il faut composer le 450-836-6019, 450-836-6019, le poste 4601, possible aussi via le courriel info@il-dupas.ca. Aucun frais d'inscription, mais les places sont limitées. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes, un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Petro-T, sur la rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra, sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro, sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime, sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso, sur la rue de la Traverse et le marché Aldo, sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. On y va maintenant avec les anniversaires du 11 octobre. Tout d'abord, le CABA. Style Désir souhaiter bonne fête à Sylvie Lachapelle. Le CABA et CTRB souhaitent bonne fête à Richard Sauvé. Et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Annie Gravel. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 11 octobre. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On parle maintenant de deux statues bien spéciales, deux statues qui étaient auparavant au musée Grévin et qui sont rendues à Berthierville. En effet,
Après l'arrivée de Gilles Villeneuve au musée qui porte son nom, il y a quelques mois, une deuxième statue provenant du musée Grévin à Montréal, musée qui a fermé ses portes il y a quelques mois, s'ajoute au patrimoine Berthelet. Il s'agit de la statue de cire de la patineuse de l'île du Pas et médaillée olympique Joanie Rochette. La statue de Joanie a été dévoilée vendredi soir à l'aréna qui porte aussi son nom. Joanie était sur place pour le dévoilement. Rappelons que lorsque le musée Grévin a fermé ses portes, c'est le bien connu animateur Jean-René Dufort qui est parti avec la statue de la patineuse. Le projet de l'installer à l'aréna de Berthierville a par la suite pris forme. Jean-René Dufort a donc apporté la statue de cire de l'athlète olympique à Berthierville durant la journée de vendredi. Puis, en compagnie de Joanie, qui a profité de cette occasion pour chausser les patins et patiner avec les jeunes du club de patinage artistique de Berthier, eh bien, la statue a été présentée au Berthelet. Partenaire de toujours de Joanie Rochette, l'entreprise EBI de Berthierville a été un précieux collaborateur à la réussite de ce projet en fournissant notamment cette cage de verre ou de plexiglas qui accueille la réplique de Joanie, rappel de sa performance aux Jeux de Vancouver. Écoutons tout d'abord la vice-présidente du club de patinage, Nathalie Tremblay, suivie du maire de Berthierville, Dominique Perrault, et de Joanie Rochette. Donc, merci à tous d'être ici ce soir. Je me présente. Mon nom est Nathalie Tremblay. Je suis vice-présidente du club de patinage artistique de Berthierville et je serai votre animatrice pour l'événement. Le CPA Berthierville est pour plusieurs un club de sport où il fait bon s'amuser. Pour nous, membres du CA, entraîneurs et patineurs, c'est notre deuxième famille. Notre mandat est de faire connaître le patin afin d'aider les jeunes à s'épanouir et se développer. Au départ, les jeunes viennent pour pratiquer un sport et rapidement, celui-ci devient un mode de vie, un exutoire, une passion. Les patineurs et la glace ne font qu'un. Joanie était loin de se douter la première fois qu'elle a mis les pieds ici à l'aréna qu'un jour elle serait une médaillée olympique et que l'édifice porterait son nom. Pour parvenir à ce résultat, Joanie a eu beaucoup de partenaires. Un de ceux-là était EBI. EBI n'a plus besoin de présentation pour nous, Jean de Berthier. Cette entreprise s'est donnée pour mission d'aider les organismes de la région et de soutenir les athlètes dans leur développement. Sans plus attendre, j'aimerais vous présenter Mme Vanessa Sylvestre, conseillère en communication et marketing chez EBI. Merci Nathalie. Donc d'habitude, quand je fais les présentations, je ne vois pas les visages à cause de la vitrine, fait que c'est plus intimidant, je pense, au spectacle. Ça me fait extrêmement plaisir d'être ici aujourd'hui, dans le fond, pour représenter EBI, mais surtout pour assister à cet événement tout spécial. La relation entre EBI et Joanie a débuté, selon ma source, en 1996, alors qu'elle s'est présentée dans le bureau de René du haut de ses 10 ans avec sa mère pour faire une demande de financement. Est-ce que tu te rappelles, c'était pour quelle compétition? Pour les divisions à Halifax. Oui. Je dirais que c'était un événement marquant. Donc, ouais. René m'avait confirmé que c'était une compétition à Halifax. S'il était ici aujourd'hui, ça lui ferait très plaisir de vous raconter en détail ce moment marquant que, dans le fond, débutait la longue relation qu'il y a eu entre Joanie et EBI. En fait, je crois que tu as fait découvrir et apprécier ce sport. Même si moi aussi je patinais, mais il faut croire qu'il préférait les compétitions à Los Angeles qu'à Repentigny. Mais il faut prendre ça à la blague, là, j'ai absolument rien contre les compétitions à Repentigny. Notre relation, Joanie et moi, date d'il y a un peu plus longtemps, alors que nous avons débuté le patin ensemble pratiquement en même temps. Nos chemins de patineuse se sont rapidement séparés parce que ton grand talent se remarquait dès ton tout jeune âge, ce qui t'a amené à t'entraîner ailleurs. Je garde de beaux souvenirs ici, mais aussi partout où ton talent et ton travail t'ont mené. Championnat canadien, championnat du monde et Jeux olympiques. Nous t'avons suivi, nous t'avons soutenu. À chacune de tes compétitions, nous étions littéralement sur la glace avec toi. Ça a été un immense plaisir pour nous de partager tous ces moments exceptionnels avec toi, en tant que partenaire financier, mais surtout en tant que fier supporter et fan. C'est un privilège, je crois, d'avoir la statue ici à l'aréna,
parce que pour les nouvelles générations qui te connaissent moins, je pense que ça va susciter des belles discussions. Ça va nous remémorer des beaux moments puis les raconter à nos enfants qui viennent ici sur la patinoire à Berthier. Raconter tous ces merveilleux moments puis leur faire savoir qu'ils pratiquent leur sport sur la même glace qu'une médaille olympique. C'est quand même pas rien. Donc, félicitations, Joannie, puis vous allez avoir le plaisir de découvrir ça ensemble. Merci Vanessa. Un club a besoin pour bien fonctionner de collaboration avec des gens de cœur. Nous avons la chance d'avoir à la municipalité de Berthierville des personnes qui travaillent d'arrache-pied pour nous aider à réaliser de beaux projets. Je parle bien entendu de notre directrice en loisirs, Marie Gauveau-Leblanc, de Mme Sylvie Dubois, la direction générale, et de M. Dominique Perrault, le maire, ainsi que ses conseillers. Donc, pour sans plus attendre, j'aimerais que M. Perrault vienne nous adresser une petite, un petit mot aussi. Merci. En bon politicien, je n'ai pas préparé de discours, mais je sais déjà ce que je vais dire. C'est facile. Je parle avec mon cœur. Quand la Chambre de commerce, j'ai été élu l'année passée, quand la Chambre de commerce m'a invité à faire un dîner-conférence, quand j'ai planifié mon programme, disons, de conférence, c'est sûr que je voulais parler de l'aréna. Parce que moi aussi, j'ai joué mon hockey mineur ici. Puis, je suis fier d'être à Berthier, je suis fier d'avoir joué ici. Et je trouvais que l'aréna avait besoin un peu d'amour. Fait que comment je pouvais convaincre les gens de peut-être accepter un projet un peu fou, c'est tout simplement en mentionnant que le nom de Joannie Rochette, je crois que c'est le plus beau nom qu'on peut avoir pour une aréna. C'est un nom qui rayonne à travers le monde. C'est un nom, tout le monde se souvient probablement où il était en 2010, aux Olympiques, pendant sa performance. Puis quand j'ai mentionné ça, je l'ai vraiment lancé avec aucun projet, j'avais rien de planifié. Puis là, ben, je suis très heureux de vous annoncer, peut-être que vous savez, j'annonce que d'ici un an, l'aréna va être rénovée. Donc on va faire une mise à niveau. On a mandaté une firme, il y a déjà un architecte ce soir, puis il vient mardi, il vient prendre des mesures. Il va nous présenter un projet. On a une bonne idée du montant que ça va coûter. On a décidé de même pas attendre après les subventions. On travaillera plus tard pour voir, mais c'est sûr que le projet, on va vous le présenter probablement cet hiver. Puis dès la fin de saison, la saison va finir un peu plus tôt. Donc, je pense que puis quand j'ai mentionné que c'était le plus beau nom qu'on pouvait avoir, J'ai mentionné aussi que justement, quand tu as un nom comme ça prestigieux, ben, il faut que tu donnes, il faut que l'aréna soit à la hauteur du nom. Il faut qu'on en soit fier, il faut que Joannie en soit fier. Puis je pense que tout le monde ici peut témoigner de sa gentillesse, de la personnalité qu'elle a. Je pense que l'aréna va avoir justement cette personnalité-là. Et je vous le dis, là, on travaille bien fort pour vous rendre un aréna qui va être de qualité. Je pense que les gens dans la région, les gens au Québec vont vouloir arrêter pour voir l'aréna. Fait que Joannie, l'année prochaine, j'espère que tu seras là quand tu seras disponible, qu'on pourra couper le ruban. Donc, bravo, félicitations et merci beaucoup. Merci, M. le maire. Si ce soir, nous procédons au dévoilement de ta statue, Joannie, c'est que tu as parcouru un long chemin pour en arriver là. Pour nous, Jean de Berthier et les environs, tu es une source d'inspiration, autant pour tes prouesses sur la glace que hors glace. C'est avec fierté que je vous demande d'accueillir Joannie. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Quand Musée Grévin a fermé ses portes, qu'on m'a appelé pour me dire « Hey, veux-tu revoir ta statue? » Je me suis dit « Ben, je ne peux pas mettre ça dans mon salon. » J'ai commencé à parler avec Nathalie, puis avec EBI, tout ça. Ils ont bien accepté le projet là, de faire un petit plexiglas, puis de vouloir amener la statue ici. Dans le fond, pour moi, c'est plus naturel. C'est ici que j'ai commencé à patiner. Puis d'entendre M. le maire dire qu'il va investir dans l'aréna, je trouve ça vraiment un beau projet. Quand on était jeunes, on passait beaucoup d'heures ici. Après l'école, j'allais à Pierre de l'Estage, à mon secondaire 1. On faisait nos devoirs ensemble, on patinait.
c'est pas juste un endroit où on pratique notre sport, mais c'est un lieu social aussi, où on se développe en tant qu'être humain. C'est pas juste pour aller aux Olympiques, parce que c'est une minorité qui va se rendre là. Mais c'est vraiment important d'investir dans la jeunesse. Merci aussi, on a entendu Vanessa tantôt. Merci à EVI, comme vous avez entendu. Je pense pas que je me serais rendue où je me suis rendue si j'avais pas eu ce soutien-là financier. Mais pas juste financier. Je pense que René et Julie ont beaucoup d'histoires dans diverses compétitions à Saskatoon, Winnipeg, Los Angeles. C'était pas tout le temps des endroits aussi beaux que Los Angeles, mais ils sont venus aussi à Winnipeg ou Saskatoon. Ils ont beaucoup d'histoires avec mes parents. Julie qui racontait à ma mère comment j'avais patiné parce que ma mère allait se cacher aux toilettes pendant mes performances. Fait que c'était vraiment pas juste un soutien financier, mais vraiment je sentais que j'avais toute la ville de Berthier derrière moi. Je pense que quand on vient d'une petite ville, tout le monde se connaît, puis ça fait vraiment une différence. J'ai vraiment senti tout au long de ma carrière que j'avais ce soutien-là de la ville. Fait que je suis vraiment fière que la statue vienne ici, même si elle fait un peu peur, mais c'est un peu bizarre de la voir. Mais je pense que c'est quand même naturel qu'elle soit ici. Puis c'est vrai, les plus jeunes ne me connaissent pas. Pas Shuki, puis souvent ils vont me dire ma maman veut que je prenne une photo avec toi. Il était même pas né quand c'était les Jeux Olympiques, mais s'il y a une histoire qui peut leur rappeler que c'est possible de s'entraîner ici à Berthierville puis de se rendre aux Jeux Olympiques, ben, tant mieux si ça les inspire à continuer dans ce beau sport-là que j'ai tant aimé, que je continue d'aimer. Fait que, merci d'être là. Qu'on va avoir un petit peu plus tard. Joanie, pour tes accomplissements. Tous les patineurs, entraîneurs du club de patinage artistique pour tous les beaux moments de cette deuxième famille. Et là, je vais être émotive. Et je vous remercie infiniment tout le monde de vous être rejoint à nous pour cette belle soirée, cette belle inauguration. Merci!
au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 30 septembre à 78 ans, est décédée Mme Mariette Bello, épouse en première noce de feu Roger Piché et conjointe de feu Paul-Émile Parent, demeurant à Crêpeterie autrefois de la Norette. Elle laisse dans le deuil son fils Stéphane Piché, Françoise Lemire, ses petits-enfants Alec et Eden, son arrière-petit-fils Alexis, ses frères, ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères André Boileau, Daniel Boisjoli, Jocelyne Charbonneau, Céline Boisjoli, feu Richard Doyle, Liette Boisjoli, François Maillet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 15 octobre de midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie au salon du complexe à 14h30. Madame Bello sera inhumée au cimetière de Joliette à une date ultérieure. Au CHLD de Heather de Rodden, le 6 octobre, à 67 ans, est décédée Carole Marcotte, fille de feu René Marcotte et de feu Colombe Brunel, demeurant à Rodden, autrefois de Joliette. Elle laisse dans le deuil son conjoint, Clément Paquette, sa sœur Josée Marcotte, Léo Beauchêne, ses nièces et son neveu, Mylène et Liliane Rattel, Cindy Beauchêne, Pascal Beauchêne, Sylvie Lavallée, sa filleule Marie-Ève Ferland, ses arrières-petites-nièces Johanna et Sophia, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera le 15 octobre de 13h au Salon Thériault à Joliette, sur la rue Saint-Louis. Suivra une liturgie à la chapelle du Salon à 15h. Madame Carole Marcotte sera inhumée au cimetière de Joliette. Passons à la météo. Bienvenue à Météo du mardi. Cet après-midi, ce sera généralement ensoleillé, une température de 15, un temps ressenti de 14. Mardi soir, ce sera dégagé, une température de 10, un temps ressenti de 8. Mardi nuit, c'est dégagé, une température de 4, un temps ressenti de 2. Mercredi matin, ce sera un ciel variable, une température de 5, un temps ressenti de 3. Mercredi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 19, un temps ressenti de 19. Mercredi soir, c'est nuageux avec averse, une température de 15, un temps ressenti de 14, moins de 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Et c'est tout pour votre bulletin d'information de ce 11 octobre. Alain Bellumer au pépite qui vous invite à des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin, du bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. À demain!